Zarvio, c'est un outil qui me permet d'apporter au bon moment la bonne dose de protection pour éviter des pertes de rendement dues à des problèmes de maladie et la météo et tout ce qui en suit. Donc nous, on saisit dans Zarvio un assolement, les cultures, les dates de semis. Et puis Zarvio est donc connecté à une station météo proche de chez nous pour les données météo qui sont pertinentes à l'exploitation propre. Et puis en fait, Zarvio nous ramène un conseil en disant ben, on a une contamination qui risque de se faire par telle maladie. Ça va être un petit assistant qui va être peut-être sur son épaule et qui va lui dire attention, il y a des choses qui arrivent, à toi de réagir. Parce que ce qui est important dans le numérique, c'est que ça aide l'agriculteur, mais que le cerveau reste dans la tête de l'agriculteur. Je pense qu'une plateforme qui puisse regrouper les données, c'est une simplification déjà pour nous. Parce qu'on saisit une fois ce qui a été fait, on a l'outil derrière qui nous résonne le pourquoi qu'on l'a fait, puis donne exactement ce qui a été fait, suivi. Je pense que c'est un outil qui est déjà bien évolué, déjà assez complet, qui est facile d'utilisation. Les perspectives sur 2020, ça va devenir vraiment un tableau de bord. On va pouvoir rassembler beaucoup d'informations. Moi, je pense que c'est un outil qui va rester sur le même fil, mais avec plus de précision.